Cette crèche païenne bressane, en bois, est datée de 1855 et serait l'œuvre d'un sculpteur amateur de tournus, Jacquelin. C'est la fête dans cet intérieur bressant. La grand-mère prépare des gaufres. Elle porte la louche dans une main et le gaufrier dans l'autre, prête à le remplir. Un gaufrier est déjà en train de chauffer dans la cheminée et les premières gaufres cuites refroidissent sur la table dans un saladier. Sous le récipient où l'on a démêlé les gaufres, il y a un chat qui tourne le dos. Mais quand on démonte la scène et qu'on le regarde, il se fend la poire. C'est un chat qui rit. Au centre de la pièce, deux enfants qui portent des chapeaux en papier font de la musique. Le premier ouvre la marche au son de son tambour. Le deuxième, à cheval sur le dos de son père, joue de la trompette. L'aîné dresse le chien au premier plan. Cette scène se déroule sous les regards rieurs du grand-père, assis sur sa chaise paillée devant la fenêtre, et de la mère qui porte dans les bras le petit dernier.